Bonjour à toutes et à tous, l'ami Seagal de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme, pour moi ça va super. Les copains, on se retrouve pour la vidéo des 14K, je l'espère, il nous manque 21 trophées, on a un bounty avec les frérots Willou et Bird, ces deux gros monstres. Bien sûr, ça fait partie des tribes Activium, hein, c'est les plus anciens quasiment, avec Xenox, Nicolas 7, etc. Le clan est en rush cette saison, donc on va essayer de se faire plaisir. On a fait un plus 75 sur mon petit croc qui est à 500, il est à 570 et je sais plus combien. Donc on va essayer les copains, pour vous régaler bien sûr, comme d'habitude, si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à exploser les pouces bleus. Voilà, je parle de plus en plus vite les gars, c'est la folie, je suis excité comme Jaja. C'est vrai que le nouveau mode de trophée, là, où on gagne plus 8 au lieu de plus 5 et tout, moi, ça me hype grave. Je trouve ça vraiment sympa. Après, donnez-moi votre avis en commentaire, mais en général, ça plaît beaucoup. Il y a quand même beaucoup de joueurs que ça va avantager, hein, contrairement peut-être aux pro-players qui ont passé des centaines de milliers d'heures à faire leur record et qui, forcément, eux, sont déçus, mais ça représente pas la majorité des joueurs, les copains. Alors... on va essayer de se concentrer parce que c'est vrai que quand on lance un rec comme ça à chaque fois vous pouvez être sûr, hein, vous connaissez le délire, hein, on joue une heure, on fait full win, on lance le rec, derrière on fait plus une victoire, mais là ça devrait le faire, on va y aller doucement. Il y a un spike, le spike c'est la première fois qu'on le croise depuis tout à l'heure, hein, malheureusement Willou est décédé. Léon on en a croisé pas mal, par contre spike ouais, spike j'y crois pas des masses. Alors je fais cette vidéo, j'ai mes filles à côté des copains, hein, je vous le dis, si vous entendez crier c'est que mes filles se battent, ça peut arriver, voilà. On est en 5-3 pour l'instant, on fait du coup du plus 8 quand on gagne, donc en réalité 8 et 8, 16, 24, 3, il va falloir 3 games, hein. 3 games pour faire les 24 trophées et il nous en manque 21, donc on devrait être bon, ça devrait pas prendre trop longtemps, c'est du bounty à 2 minutes, hein, vous avez capté, on est plus à 2-30, hein. les mecs qui ont dormi pendant 3-4 mois, les gars, voilà, c'est fini le bounty à 2-30, moi bon, je rigole avec vous, bon, il se livre pas des masses, Shelly sur cette map, c'est pas ouf, ok, alors par contre, j'aime beaucoup auto-shoot avec Crow, les gars. Est-ce que vous faites pareil? Est-ce que vous faites pareil ou est-ce que je suis seul dans ce cas? Je trouve que c'est un brawler qui s'auto-shoot pas trop mal. Voilà, c'était un peu ma façon de le jouer. Alors, faut que je chope mon ulti. Là, le Spike en face, il est décédé. On les défense, en fait. On les défense. Clairement, on les défense. On les défense parce que là, bah, là, ils avanceront plus, en fait. On a cassé la map, donc leur Shelly, déjà, elle est morte. Et leur Léon, à la limite, il peut me soulever. Il peut soulever un brawler, un no brawler qui a pas de PV. Bird, il pourra pas se faire soulever vu qu'il a son saut. Mais je pense que moi, je peux me faire péter. Ah, il joue mal. Ça, c'est une free win, les gars. Ça, c'est une free win. C'est une free win pour le rec. Voilà, tranquillou. Alors. Il s'est mis invisible, je vais me faire péter. Je vais me faire péter parce que là, j'ai pas mon saut. Et s'il décide de me soulever, les gars, je vais être une grosse victime pour lui. Alors apparemment, c'est pas sur moi qui décide de venir. De toute façon, 15-3, c'est mort pour eux. J'avais même pas vu qu'on menait autant. 17-3, ok. Bon, première victoire facile. Il y a eu des games beaucoup plus chaudes. Putain, mais c'est là que c'est hallucinant. C'est qu'on défonce des mecs qui sont à 640 trophées, 653. Waouh, on défonce même pas du noob, en fait. Hein. On les a défoncés, là. Hein. Clairement, je m'excuse pour eux si c'est des Français. On vous fait des bises, mais on vous a quand même un petit peu marché dessus. Donc 13 987 trophées les copains, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, la bonne c'est qu'on va pouvoir débloquer la méga boîte dès 14K, la mauvaise c'est que bah ouais, ça servira à rien les gars, parce que d'ailleurs si vous êtes sage à la fin de la vidéo les gars, petit supplément, deux vidéos où on fait un mini pack opening pour essayer de débloquer le star power, ouais mini, hein, mini, parce qu'on va pas cramer toutes les boxes, mais il me manque du coup il y a les nouveaux star power de disponibles, on a Tick qu'on a passé au niveau 9, on peut débloquer son star power, donc on a quelques trucs à faire en réalité vu que la vidéo risque d'être assez courte. Vu qu'il nous manque, si on win seulement 2 games, les gars, je me fais mon après-vidéo. C'est le meilleur moyen de se porter malheur, les gars, ce que je fais, hein. En réalité. Mais bon, je trouvais que c'était une vidéo intéressante à faire, parce que même si les 14K, c'est moins dur de les faire qu'à l'époque, ça reste quand même un palier important dans une carrière de joueur de Brawl Stars. Donc voilà, je m'étais dit que les 14K, 14K, 5, 15K, les paliers, on se les ferait ensemble. Alors, on tombe sur un Karl Dina. Alors, j'ai pas rencontré Dina encore sur cette map, on a rencontré du Barley. Karl il peut être très chiant, Penny très fort, Penny sur cette map très fort, quand je fais le demeurer à être à côté de Bird comme ça, si jamais on se fait prendre l'un devant l'autre, c'est très dangereux. Alors là, faire attention, ils ont pris... Alors le Dina il va se faire péter. Là... Oh, je me suis fait soulever mais je pète le Karl, je crois qu'il avait 300 PV. Est-ce qu'il meurt ou pas le Karl? Gaël de Toulon a pété le Karl, a pété Axel. Ok, ça c'est cool. Bon, pour l'instant, on est dominé, les gars. Pour l'instant, début de game un peu pourri. Attention à l'ulti de Karl.
Ouais, on va le péter, on va le péter, on va le péter comme ça au moins on reprend un peu l'avantage sur les points là. Je sais pas comment on a fait pour un start pourri comme ça là, se faire dominer. Faudrait tout casser en fait, voilà. Quand on cassera tout, le dynamite normalement il servira plus à rien. On est d'accord. En plus ils sont tous du même côté donc c'est cool l'ulti de Brock. J'ai à l'annoncer s'ils sont tous du même côté l'ulti de Brock. Il va les dépop complet. Et le frérot il a balancé son plus bel ulti direct donc c'est cool, voilà, on est synchro. On n'est pas en vocal mais on est synchro. De toute façon, c'est des super joueurs, les gars. Je leur fais des éloges, mais clairement, ils méritent. Avec des mecs comme ça, il n'y a pas besoin de temps vocal. Alors, les gars, si on perd celle-là, je vais être malheureux. Je vais vraiment être malheureux parce que j'ai vraiment pas envie de la perdre, celle-là. Est-ce que je saute sur eux ou pas? Ok, on a pété Dina ou pas? On a pété Dina, rassurez-moi là. On n'a pas pété Dina? Ah les gars, faut rush là. Oh non, faut rush là, putain. Ok, le Karl il va mourir là, rassurez-moi. Putain, je vais mourir. 16-13, on mène, on mène, on mène, on mène. Putain, je suis en pression les gars. Mais de où on est à deux doigts de perdre cette game quoi? De où? C'est impossible. Le mec a un dynamite, qu'on a cassé la map, c'est incroyable. On l'a perdu ça là, j'arrêtais la vidéo. Rage quit. Rage quit. Rage quit les gars, ouais, rage quit nerveux. Ok, on a battu deux mecs encore à plus de 600 trophées, ça régale, ça régale. 594 trophées, putain, c'est dur à dire qu'on est excité. Hein. Ok, on est. Ouais, même on est même à 5 trophées seulement, dès 14K. On va se calmer un petit peu, on va s'appliquer pour la dernière game. Et après, pack opening pour fêter les 14K. Pas la méga boîte, hein. Rassurez-vous, la méga boîte, on va la laisser tranquille. Pour un éventuel brawler qui sortirait, je sais pas quand. Pas d'info officielle. Peut-être pas avant la rentrée, malheureusement, mais. Mais par contre, j'ai pas mal de boîtes, de grosses boîtes. On va voir un petit peu ce qu'on a là-dedans. Le shop, j'ai ouvert pas mal de trucs déjà, mais on va checker ça. J'ai acheté le Star Power de Rico, le nouveau, que je trouve nul. Hein. Je trouve nul, clairement, mais je l'ai quand même acheté. Le but, c'est d'avoir un compte full max. Ok, là, on tombe sur une vraie compo, par contre, qui est même meilleure que nous. Ok, c'est trois joueurs que je connais. Ça, par contre, c'est pas une bonne nouvelle. C'est clairement pas une bonne nouvelle, les frérots, parce que c'est trois bons joueurs. Et ça risque d'être un petit peu moins simple. Alors. Alors attention, 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 on va éviter de prendre trop de dégâts, tonton, putain, je joue un peu avec le feu, je m'excuse. Je vais passer côté gauche, alors on a récupéré l'étoile du mid, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va tenter de pas se faire soulever, Willou, frérot, fais attention. Fais attention, fais attention, fais attention. Oh non, mais comment je perds à gauche, les gars, mais non, putain. Il était low, je me fais soulever, je suis une victime de la société. Alors, on mène 7-4 grâce à mes frérots, mais là, putain, là, j'ai fait du caca, là. Alors, je touche plus, là. Là, je touche plus, je joue ma vie. Putain, il me répète. Il est meilleur que moi, le Crow, en face. Ouais, il est meilleur que moi. Ce qui arrive, malheureusement, Crow, c'est un brawler que j'ai grave délaissé. Bah, du coup, j'en paye les pots cassés, là. Est-ce que, lui, j'irai pas le péter. Ok, on l'a pété. Par contre, je vais me faire soulever 7 PV et je meurs encore avec son poison, putain. 9 partout, ouais. Cette game, si on la perd, les gars. On aura des circonstances atténuantes que c'est des gros joueurs en face, même si ça suffira pas à combler mon. Voilà, je serai malheureux. Putain, mais vous avez vu comme il nous défonce? C'est un truc de fou là. On est dans notre camp, on n'arrive pas à sortir. La Penny, elle est super OP la Penny, les gars, je vous conseille vraiment de la monter. Là, on est dans la merde. Ah oui, Bird s'est fait péter. Ah putain. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et je vais me faire soulever. Et je vais me faire soulever, c'était prévu. Bon, on est tombé sur le meilleur que nous, ça arrive, les gars. Malheureusement, ça arrive. Est-ce qu'on va pouvoir la voler la game ou pas? J'y crois pas trop. Ah, putain, c'est rageant, c'est rageant, c'est rageant. Oh putain, putain, on a failli voler, mais on a rien volé du tout. Putain, on va prendre un moins 6 juste à la dernière game des 14K. Du coup. Oh, l'égalité d'une vie! Putain, qui c'est qui fait le kill? C'est Bird, je crois, qui fait le kill à la fin. Oh là 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 là, putain, le mec, c'est comme une victoire, ça. C'est comme une victoire, ça. La game improbable de fou. Oh là 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 là, magnifique. Magnifique. Ah ouais, Willou qui applaudit. Bird, Bird patron. Bird patron, les gars. Énorme joueur, mais complètement inconnu, par contre, voilà. Il faut lui donner de la visibilité à ce joueur qui est monstrueux. Blackbird, il s'appelait à l'époque. Il s'est renommé Mockingbird, mais vraiment, le mec est énorme. Le mec est vraiment très très fort. S'il push à fond.
il fait un record du futur, quoi. Mais il joue pas énormément, en fait. Donc, il y a des gros joueurs comme ça, comme Al-Sharix aussi. Il joue pas beaucoup, le mec, mais il est super fort. Comme il a un record de saison qui est assez bas, qui est un peu pourri, mais ça reflète pas son niveau. Il y a une catégorie de joueurs comme ça, qui est du coup un petit peu sous-côté, parce que moins connu, mais croyez-moi, les gars, faut pas les croiser. Faut pas les croiser parce que ça pique. Alors on se concentre, 5 sur 6, allez, finou 6ème, on n'a pas le temps là, putain, ça devait être une vidéo pack opening rapide là, pack opening des 14K. Alors, personne veut nous affronter, c'est bon signe ça les gars, ça veut dire qu'ils ont peur, ça veut dire que faudrait qu'il y ait une compo avec des tanks aussi, il y a pas mal moyen de s'amuser, on est tombé sur des boules tout à l'heure, on les a plutôt fait danser. Ok, Crow Spike, bon, Spike Piper c'est validé, Crow Piper s'est validé, le Spike, bof, à voir un peu ce que ça va donner, le skin, magnifique ça, plus besoin de le dire, vous avez compris que c'était une dinguerie ce skin, ouais, là du coup ils se sont bien fait toucher, mais du coup ils veulent plus avancer, la Piper, attention Willou, ok, on a mis quelques coups là, putain c'est chaud, ah, j'ose pas trop avancer, ah, putain, Bird, il s'est fait péter à gauche, le frérot. Bon, on va aller les aider, là, ça commence mal, hein, mauvais start, là, ils ont pris l'étoile, ils ont fait un kill. Ça commence pas ouf. Je suis low. Il va falloir qu'on push, mon frérot, je vais attendre que les PV remontent au-dessus de 2000, on va essayer de push de ce côté-là. Ah, oh, putain, c'est chaud, le spike, il fait mal. Hein. Oh là là, dommage que Bird, il ait loupé le frérot, là, parce que là, il y avait un kill, j'ai cru qu'il allait le choper derrière la tête, je me suis dit, j'appelle Blackbird, en fait, moi, un Bird vexé, ça fait très mal, les gars, ça fait très mal. Ah, je tente un coup de poker, coup de poker de tonton qui kill toute la map. Alors, attention. Attention, parce que là, le spike me fait peur. Attention, les gars. Ok, lui, il va mourir. Il meurt. La Piper, elle meurt. Ok, les gars, on s'installe dans la game. 25 secondes pour les 14 000 trophées, les gars. On peut le faire. On est au bord des larmes. La pression est insoutenable. C'est incroyable. Ok, le croc qui meurt. Et c'est la win. On va les péter. Ah, on les humilie, c'est l'humiliation. Et il va quand même me tuer, l'enfoiré, il va quand même me tuer à la fin. Mais un de mes frérots va me venger ou pas? Est-ce que un... Non, personne ne venge. Oh là là. Oh, c'est moche. Mais c'est pas grave, ça gagne 18-12. Bon, on a vu qu'on avait gagné à 15 secondes de la fin. C'est pour ça qu'on a pris des risques. Putain, ça fait super plaisir, les gars, on a fait les 14K en live. En plus, Korbak qui passe plus de 600 trophées au passage, hein, ce qui est quand même pas mal. Et bim, ça tombe, voilà, 14 000, 3 trophées, la méga boîte potentiellement débloquable, mais on va pas y toucher pour l'instant. Ah, franchement, c'est cool, merci la famille, vraiment, je remercie Willou. D'ailleurs, il y aura leur Twitter en description, il y aura même le Discord d'Activium, les gars, en description, j'en parle pas dans toutes mes vidéos, mais si vous voulez vocal en jouant, ce qui est beaucoup plus simple, on l'a dit 10 000 fois, n'hésitez pas à rejoindre ce Discord, qui est un des plus gros Discord français, voilà, c'est le Discord d'Activium. Petit moment promo, ça fait plaisir, les copains, on a mis quand même pas mal de brawlers 600, déjà, on en a déjà 5, et j'ai rushé, ça fait 2-3 jours que je rush, donc c'est déjà pas mal, on va dire, et ben voilà, je suis content. Est-ce que vous voulez que, du coup, je vous ai parlé de mon tic qui est passé niveau 9, il nous manque 100 Star Power. Il me manque, j'ai acheté le Star Power de Rico dans la boutique, et du coup il va me manquer le Star Power de Colt, de Tic, et le dernier de Rosa. Est-ce que vous voulez qu'on s'ouvre 14 box? Ça tombe, 14 box et 2 grosses boîtes, les gars, ça fait un contrant. Est-ce qu'on peut débloquer un Star Power là-dedans ou pas? J'avoue que j'en sais que dalle, mais vous allez croiser les doigts pour moi. Ok, 8 gemmes d'entrée, ça met en condition, on est plutôt bien. 61 gold, ok, 64 gold, allez, file-moi du Star Power là, frérot. Star Power, 111 gold. En réalité, celui que j'aimerais vraiment, c'est Tic, hein, parce que Tic, du coup, ça va changer un petit peu tout. Alors que les autres, bon, c'est pas... Ouais, celui de Colt peut être intéressant, Rosa aussi, mais c'est pas ceux que je voudrais le plus. Putain, 150 gold. Alors le gold, par contre, on en fait des provisions de fou. Dans les deux grosses boîtes, il va se passer un truc dans les deux grosses boîtes, j'en suis quasiment sûr. On a eu tout le temps nos chances, notre chance, on l'a eu dans les grosses boîtes. Donc je pense qu'il peut se passer un truc de fou. Le Star Power de Tic, putain les gars, c'est bon ça. Ça fait plaisir parce que c'était celui que je voulais. C'est bien sûr du live, hein, bien sûr les gars, donc je me fous pas de votre gueule. Ah, je suis content parce que voilà, du coup maintenant, j'ai plus d'excuses pour ne pas monter mon Tic, hein, qui est
qui est niveau, simplement, qui est niveau max, voilà. Donc, il n'y a plus qu'à le rusher. Est-ce que vous voulez quand même qu'on tienne parole en ouvrant encore une boîte et deux grosses boîtes ou pas? Allez, les gars, je vous l'ai dit, on le fait. 174 gold et 97. Et un ticket. Bon, les gars, on aura débloqué notre Star Power. En tout cas, je suis super content. Vraiment, gros merci à mes frérots. Énorme bisous à tous. J'espère que ça vous aura fait kiffer, que vous m'aurez bombardé les pouces bleus. On a même oublié d'en parler des pouces bleus. Mais vraiment, voilà, explosez-moi tout ça. Si on en a 5000, on essaiera de rusher encore plus pour monter au 15K et le faire en vidéo. Je vous fais d'énormes bisous à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.